gars, salut à tous, très très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme d'habitude, le petit épisode quotidien de Starfield. J'ai récupéré des aligneurs, je dois en avoir 6, ouais, un truc du genre. Donc là, on a ce qu'il faut pour aller pirater le petit ordinateur qui est à l'étage de là où on doit aller dans justement cette boîte de nuit pour pouvoir, on rappelle, trouver un artefact, en fait, acheter un artefact, une vente qui va se dérouler ici à Néon. Donc voilà, on a ce qu'il faut. J'ai enfin mes aligneurs, on va pouvoir faire ça très tranquillement. Alors du coup, tac, on arrive là. On va vers l'élévator. C'est... Laisse-moi tranquille. On va au balcon VIP. Pour rappel qu'on avait payé le petit VIP 1000 cred au lieu de 4000. Donc ensuite on passe par ici. Arrêtez, il y a la garde. Je n'ai rien fait, frérot. On débarque ici et on aura donc nos aligneurs pour pirater le petit computer. Alors, du coup, ici, on aura certainement, on est sur 5, donc on aura, ici on voit qu'on aura forcément celui-là, donc tac, et il nous faudra l'autre 3, qui est donc, parce que là, il y a donc ces deux-là qui vont sauter, il restera donc tac, 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 qui est, je pense, plutôt celui-là, hein. On va voir, de toute façon, voilà, on en a 9. Donc on aura de quoi recommencer si besoin. De toute façon, j'ai bien l'impression que si, ok, celui-là passe avec celui-ci, c'est nickel. Ensuite, ici, on est bien. Voilà, c'est celui-là. Et donc là, c'est celui-là. Voilà, on avait bien calculé tout ça, les gars. Commande à distance de la porte. Ok, par là, Walter Stroud. Donc on doit sortir d'ici désormais. On doit aller de l'autre côté, Walter Stroud, qui est donc censé être de l'autre côté. Ah non, il faut descendre et retourner là-bas. Peut-être. Ah oui, ça doit être ça. Il faut retourner le voir, Walter. Mais Walter qui du coup est carrément à l'extérieur. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On a eu des infos sur le vendeur. On a fait nos petits trucs dans la boîte machin. On a préparé un petit peu cette vente. Et donc là, on va pouvoir, eh bien, aller là-bas et dire à Walter que tout est prêt, évidemment. On avance, les gars, petit à petit dans Starfield, l'épisode 8, il me semble, aujourd'hui, ou 9, plutôt 8. Donc, on avance plutôt bien. On est aujourd'hui le 20. Dans un mois, il y a Spider-Man 2 qui sort. Donc, ça fait environ 30 jours, 30 épisodes de Starfield. On aura certainement bouclé l'histoire principale. Il y aura aussi Cyberpunk Phantom Liberty qui sortira le 26. Donc, ça, c'est dans 6 jours. Et aussi, demain, on a Payday 3 qui sort. On verra avec les gars si... Si on va dessus ou pas, ça peut être cool comme ça. Petite soirée Payday, en vrai, ça peut être toujours très très intéressant et toujours très très amusant. Ok, donc là on retourne voir Walter qui lui est retourné au vaisseau. Dégagé. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fout là, Walter? Cette personne est occupée. Et je dois attendre qu'il fasse sa vie là. Mais comment? Mais Walter, comment ça? Mais je peux pas parler avec Walter. C'est-à-dire que Walter, là, je dois attendre que... What the fuck? Écoutez, on va... On va suivre Walter, hein. Mais, what the fuck? Mais, Walter, s'il te plaît. J'ai dû sortir de la ville pour venir te voir. Putain, Walter. Walter casse les couilles. Et là, il spawn où, en bas dans la... Il va devoir le suivre et tout. Mais... Parce que normalement, il est dans les bureaux. Je ne sais trop où. Au fond, là-bas, là. Là, je dois attendre qu'il retourne au bureau. Mais non. Comment ça? Une petite poubelle dans des barils. On va aller voir, peut-être qu'il est déjà juste directement là-bas. Hein. On sait pas. On sait pas, peut-être qu'il est juste retourné dans les bureaux là-haut. C'est né. Ok, tac. Et peut-être qu'il est juste... c'était quoi? Hmm...
trop Tekloun, non. Voilà, bonjour. Puis c'était ici. Et Walter était là, mais restez du coup... tranquille, vous. Ok, pardon. Et du coup, il n'est plus là. Il est dehors, donc il va falloir que je le suive dehors. Mais what the fuck? Mais Walter, s'il te plaît, pose-toi quelque part. Walter bloque la mission. En plus, c'est ça, là, juste, il revient au bureau, quoi. Bah, écoutez, nous attendons Walter. Mais je pète mon crâne. C'est bon, Walter? Il fallait prendre l'ascenseur. Et en fait, je pense qu'il retourne. Je pète la gueule, ce type, ou quoi? Quoi? Vous voyagez beaucoup dans l'espace? Rendez-nous service à tous. Ne rejoignez jamais. Ok. Allez. Voilà, grimpe. Tac, tu dispawns. Paf. Et... oh merde, je suis appuyé par du coup. Voilà. Je retourne à Strout et Cloud, là. Et il sera là-bas. Ah, le type chiant. Tes épaules se détendent. Elles sont crispées. Nous sommes sur une piste remarquable. Peut-être celle dont j'ai toujours rêvé. Je vois ça. T'es plus agité que jamais. Je n'ai même pas pris le temps de te demander comment tu vas. Je vais bien. Les membres du conseil râlent. Je les rassure. La tentative d'assassinat occasionnelle. Rien de spécial. Alors, tu n'as besoin de rien? Non. Suis-je une espèce d'astronome inutile? Tu aurais mieux fait d'épouser un Hope ou un Taillou. Quelqu'un qui pourrait être avec toi à chaque réunion. Oh, ne recommence pas avec ça. Avoir besoin de toi n'est pas pareil qu'avoir envie de toi. Et je préfère avoir envie de mon associé plutôt que besoin de lui. C'est moins compliqué. Je sais que Constellation me prend. Pression qu'on dérange. Hein. Mais je ne sais. Je vais recharger mes armes, moi, attendant. Je me demande quelle conspiration tu mets sur pied pour prendre le contenu. Au pied dehors. C'est comme ça que je montre mon amour. Ah. Enfin. Les préparatifs avancent bien. C'est bouclé. Bien. Direction de l'Astral Lounge et notre vendeur. Au revoir, ma chérie. On se revoit à la prochaine réunion du conseil? Oh, je vais garder un œil sur cette petite opération. Juste au cas où. Bonne chance à vous deux. Je sens qu'il va se faire buter, Walter. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, on a aucun perso qui est mort depuis le début de l'aventure. Un jeu comme ça, c'est assez... étrange, en fait. C'est-à-dire que... on peut pas... il n'y a pas vraiment d'attache au perso pour l'instant. Et si, s'il n'y a pas des moments où ils sont à deux doigts de mourir ou machin, c'est dur de s'attacher à un perso. Si tu sais qu'il n'y a aucun risque de le perdre, et même il n'y a absolument aucun développement en profondeur des persos. Quoi. On sait qu'il faut partie de Constellation qui nous aide à trouver des trucs, mais au final, il n'y a pas un réel développement, quoi. Par là, Walter. Très bien. J'ignore à quoi ressemble le vendeur, mais il aura une mallette sécurisée, plus grande que d'habitude. Suffisamment grande pour contenir l'artefact. Nous devrions nous séparer. Le mot de passe pour vous identifier en tant qu'acheteur est Ramsay et Traverse. N'oubliez pas, Ramsay et Traverse. On se retrouvera près de l'ascenseur. Une grosse valise et... ils ont tous des valises du coup. Ramsès et Traverse. Non, non. Ramsès et Traverse. Donc pas un petit sac, mais une valise assez grosse pour transporter l'artefact. Qui s'y veut lui? Ah bof. Bah yo frérot. Vous voyez pas que je suis en train de boire? Je suis avec Bob et Lennon. Vraiment? J'ai cru comprendre que vous aviez une réunion dans quelques minutes.
C'est bien ça? Dans un de ces salons VIP élégants? En parlant de ça, je dois y aller. Excusez-moi. On va parler à Walter. La musique est incroyable! Je viens de voir entrer notre vendeur. Bien joué. Bien, avant d'entrer là-dedans, voilà les règles de base. Il va demander le double de la somme convenue. C'est normal. Il essaiera sûrement de laisser tomber et partir. C'est normal aussi. Ne vous inquiétez pas de la somme finale. Le fonds discrétionnaire de Stroud et Klund n'est qu'un jeton pour vous et moi. Notre objectif est de lui faire accepter ce jeton en échange de l'artefact. Rien n'a d'importance à part récupérer l'artefact et rester en vie. Ça vous va ? Ok. Ça va être amusant. Je trouve toujours ce genre de transaction avec le monde souterrain de Néon très enthousiasmant. Mais écoute, on est parti, on va négocier l'artefact. Donc si j'ai compris, on n'utilise pas notre moulin à nous, donc c'est plutôt bien. Salut. Les gangs pouvaient éviter de s'entretuer aujourd'hui. Je te le fais pas dire. Je peux pas fermer cette porte. Bon. C'est vous, Stroud? Vous avez l'air différent, en vrai. Mon chargé de communication insiste toujours pour faire retoucher les photos officielles. C'est embarrassant, vraiment. Votre sécurité va-t-elle rester debout ou s'asseoir pour cette petite conversation? Elle me rend nerveux. Quelle politesse! J'en oublierai presque sur quelle planète je suis. Et là, on entend plus la musique du... Ah si, c'est bon. Avec Anaconda. Je présume que cette mallette contient l'objet qui nous intéresse. Oui, le voilà. Eh bien, regardez-moi ça. Unique en son genre. Et je sais que vous le voulez. J'ai la somme que nous avions convenue. Sauf que les choses ont changé. Je veux le double. Et comment je suis censé me procurer une somme pareille? Je sais pas, mais votre sécurité semble avoir de l'équipement sympathique. Pourquoi ne pas participer? C'est l'artefact. C'est pas mon problème. Ça le laisse si vous repartez les mains vides. On est venu en toute bonne foi. Maintenant, honorez votre part du contrat. Soit vous trouvez le moyen de me donner ce que je veux, soit je m'en vais maintenant. Qu'est-ce que... Sécurité ! Comme vous le voyez, on contrôle la situation. Profitez de notre générosité. Prenez l'argent. Très bien. D'accord. Il est à vous. J'espère ne jamais... Oh, on a trop bien géré le truc ! C'est bon, on l'a. Tout s'est passé comme prévu. Bien joué. Vous lui avez mis la pression. Mais on repart avec ce qu'on était venu chercher. Il est temps de rentrer. On y va? On a trop bien géré le truc et là on doit... Ah, des jeux vers l'entrée. Ah, on va se faire attaquer, je pense. Sinon on aurait pu se TP. Arrêtez-vous! Vous êtes en possession d'un objet appartenant à Slayton Aerospace. Ah, Slayton devait être le propriétaire d'origine. Inutile d'en arriver là. Tous les coups sont permis à Néon, pas vrai? Donnez-nous la propriété de Monsieur Slayton maintenant. Faites pas ça. C'est la propriété de mon employeur. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous allez m'obliger à tirer? Je vous écoute. Merci de vous mettre à ma place. Très bien. On vous laisse. Mais Nicolaus Layton n'est pas le genre d'homme que vous souhaitez avoir comme ennemi. Bonne chance. Envoyer des hommes armés dans l'Astral Lounge? Slayton doit vraiment vouloir récupérer l'artefact. On ferait bien de quitter la planète, vite. On aurait dû le faire arrêter, ce type. Bah, Walter, tu viens ou... Ah oui. Ah, c'est le patron de l'Astral Lounge, hein. Ok, pardon, c'est par là qu'on sort. Oui, c'est... Arrête. Tchou, tchou, tchou.
Et il est marrant, Walter. Ouais, ils ont convaincu, on va pas se faire attaquer normalement. Excusez-moi. Il s'est passé quelque chose, c'est ça? Slayton a placé une prime sur vos têtes. Il a graissé quelques pattes. Votre vaisseau a été immobilisé au port spatial. Voilà qui va compliquer notre fuite. Je suis d'accord. On devrait discuter directement avec lui. Slayton Aerospace possède des bureaux ici, dans la Trade Tower. Si Nicolaus vous rattrape aussi vite, il doit s'y trouver ou ne pas être bien loin. On va faire un tour à la réception. On va voir si on peut prendre rendez-vous. Bah super, c'est qui lui? Ok, bon, bah écoutez les gars, on prend rendez-vous. Wouh! C'est fou. Tous les corpos ici. Quand même assez dingue. Vous attirez pas de problème. J'ai aucune envie de vous facturer un défi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, Slayton Aerospace. Slayton. Vous espérez un rendez-vous? J'ai attendu toute la journée. C'est ridicule. Bienvenue chez Slayton Aerospace. Comment puis-je vous aider? J'ai bien peur que Monsieur Slayton soit un homme très occupé. Je vais prétendre n'avoir rien entendu. Ah bon? Oh, je me souviens avoir entendu quelque chose à ce sujet. Je crois que je peux faire une exception dans votre cas. Monsieur Slayton va vous recevoir. Veuillez emprunter l'ascenseur. Allons-y. Il paraît que Slayton qui fasse gaffe, lui. Walter, avec moi, ouais. Allez. Attendez. C'est pas le bureau de Slayton. Il mijote quelque chose. Walter. Prendre quelque chose qui m'appartient puis entrer dans mon bureau, c'est courageux, mais aussi très stupide. T'auras devoir buter tout le monde. On est piégé. Oui, Walter, chérie, t'es là? Issa? Ça m'a pris plus de temps que prévu, mais j'ai réussi à m'octroyer les services d'un consultant en sécurité de Slayton. Je suis dans le système. Très bien, voilà notre moyen de sortie. Mais bizarre, elle. Les portes ouvertes, suivez ses instructions, d'accord? L'ironie de la situation ne m'échappe pas en vous disant une fois de plus que ce sera facile. Mais ce sera facile. Pas de soucis. 3, 2, 1. Il y a des gardes et employés de Slayton partout. Faites attention. Empruntez le système de ventilation pour ne pas vous faire repérer. Il y a une ouverture juste à droite de l'ascenseur que vous avez pris pour monter. C'est ça? Aïe. Ok. On prend les rations. Oula. C'est l'ascenseur que vous avez pris pour monter. Sautez par-dessus et continuez jusqu'au bout. Okay. Descendez et suivez le conduit jusqu'au bout, après l'embranchement. Ok. Putain, la dinguerie. Alignure, je prends. On sait jamais. Ouais. Et ensuite. Par là. Mais la sécurité est en état d'alerte maximale. La discrétion n'est plus de mise désormais. Ah, c'est quoi ce truc? La sécurité est en état d'alerte. Et pourquoi? Yo les gars, ça va vous? Attendez, je vais essayer d'éteindre ce robot à distance. Nickel. Ok, grenade. Nickel.
Un petit robot poubelle. Il est marrant. Ok, tac. Putain, j'ai plus de mine là-dedans. Fais chier. Ah, mais c'est vrai que j'ai des sorts à chaque fois que je l'oublie. Ça, c'est quoi? Bah alors, mon con. Fais-moi le fou, hein. Nickel. Aïe. Hop là, je suis passé. Nickel. Bah du coup, tout Néon va nous poursuivre là, non? Parce qu'il avait une prime sur notre tête, ça va être compliqué. Ah, mais là aussi, il y a plein de gens en fait. Merde. Et c'est pour que je m'enfuis par là. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ok. On était tout là-haut. Oh non, pas par là. Pas par où alors? Par là? Ok. Tac. Ici, par là. Hop. Ok. Et là, on a quoi? Mais je comprends pas où on est déjà. Oula. Bah là, mon gars. Bah alors. Oh, il est tombé en bas en plus. Là, c'est quand on re-rentre dedans. Mais non. Ah oui, qu'on faut traîner Nicolas Layton. Ok, on arrive à ses vrais bureaux du coup. Alors mon con. Ce sont des moments comme celui-là qui font de Néon le meilleur endroit pour faire des affaires. Vous volez ce qui m'appartient, je vous piège dans la ville. Vous infiltrez mon bureau, je le verrouille. Cessons de tourner autour du pot et finissons-en ici. Vous avez un de mes biens. J'ai indirectement l'un des vôtres. Nous sommes à égalité. Quoique je pense avoir plus d'armes de mon côté. Walter, et vous avez une affaire, nanana. Avoir le co-PDG de Stroud et Clone dans mon bureau, c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Pense à ton rapport trimestriel, Nicolaus. On pourrait intégrer Slayton Aerospace dans notre chaîne logistique si on arrivait à passer outre ces désagréments. Oui. Ce pourrait être un échange mutuellement bénéfique. Il n'y a plus qu'à régler la question du dédommagement de cette humiliation. Monsieur Musgrove, mon ancien employé, et le voleur à l'origine de notre rencontre fortuite, a été attrapé peu avant votre arrivée. Afin de cimenter notre nouveau partenariat, je pense que c'est vous qui devriez décider de son sort. Si tel est votre souhait, vous allez bientôt pouvoir le lui dire en personne.
Mon équipe de sécurité a fait monter Musgrove dans mon bureau. Je suis sûr que le revoir vous permettra de conclure votre précédente affaire en beauté. Chance d'épargner la vie d'un homme. Il en ferait sûrement pas autant pour nous. Mais c'est sans importance. Mmh. Oh, le con. Oh non. Vous, Slayton a vraiment un sens de l'humour tordu. 10 ans à bosser dans l'aérospatiale, et ils me virent du jour au lendemain? Bien sûr que j'ai volé ce truc. Ils vous font croire que vous irez loin si vous avez du talent et de l'acharnement. Mais en vérité, c'est à qui on vole le plus sans se faire pincer. S'il vous plaît, j'essayais simplement de vendre un produit, d'accord? On est tous là pour ça, non? Faites preuve de clémence. On a profité de son initiative, après tout. Même si on s'est retrouvé à coopérer avec l'homme qui l'a volé. Je... Merci. Un rare élan de compassion dans cette ville. Très bien. Je vais arranger ça avec les autorités. Vous êtes libre. On en reparlera dans le vaisseau. Ne vous inquiétez pas. Vous ne me reverrez jamais. Si je veux, je peux le tuer, vous pensez? Sûrement. Excellente réunion. Très productive. J'ai envie de le tuer pour voir, mais... On va pas faire ça, quand même. Ok, hall d'entrée. Ah, du coup, il m'attaque pas, lui. Monsieur Slayton n'a plus rien à vous dire. Allez, hop. Eh ouais, mon con. On peut retourner au vaisseau en rapide ou pas? On peut pas. Allez, à pied. On va se rendre compte de quoi? Il y aura toute la police devant, c'est ça? Ok, bah écoutez les gars, rentrons. Au vaisseau. Et on aura eh bien récupéré un nouvel artefact. Qui était bien plus cool à récupérer que tous les autres, hein, pour le coup. J'ai trouvé tout ça bien plus sympa que à chaque fois aller dans une mine. Puis à tuer des pirates et récupérer l'artefact. Là, c'était vraiment plus cool, je trouve. Donc voilà. Allez, allons-y. Wouh! Le port spatial, on rentre dans notre vaisseau. Et je suppose qu'on va devoir rentrer à la loge pour ramener tout simplement ce petit artefact avec tous les autres et voir ce que ça donne. Voir si derrière on a une autre mission. Ou est-ce que derrière faut aller dans les temples et ça, putain, ça fait chier. Donc, on va bien voir, hein. Donc là, je suppose, tac, rentrer dans le vaisseau. Ok, hop, je rejoins le vaisseau. Et parler à Walter Stone. Ah bah attendez, mais je vais... Il faut que j'en sorte de là. Il est où? Vous ne pensez pas? L'un dans l'autre, c'est un grand succès. Oui, c'était un jeu de mots. Mais il est... Où est ce mec? On a gagné 10 000 crédits. On peut pas encore rembourser la baraque, putain. Et maintenant, on doit quitter Néon. Ok, juste quitter Néon. Quittons Néon. Écoutez. Et voyons un petit peu ce qui nous attend. Alors, hop, décoller. Décollage immédiat.
Et hop les. Nous quittons Néon. Direction de nouveaux horizons. C'est la rime qui est magnifique, évidemment. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il dit, t'en fais-vous. S'il vous plaît, dites-nous ce que sont les artefacts. Quel est leur but? Vous les avez créés? De quel droit vous reviennent-ils à vous plutôt qu'à l'humanité? Les réponses à ces questions vous sont interdites. Des aliens? Je n'aime pas ce que je vois sur les relevés. La signature énergétique de ce vaisseau est bien supérieure à tout ce qui existe de connu. Si on démarre l'astromoteur maintenant, on a encore une chance. On va s'en sortir. Accrochez-vous. Ok, tac, et on se barre. Je sais pas vers où on va, mais. Attends, nous on est où? On a Alf. On est là, nous? Et on se barre. Et on allait pas rendre l'artefact, hein. On s'en fout, ça là. Je sais pas où on arrive, mais. On y arrive. Tac. Et la loge atterrir. Oula, c'est la loge ça? Étrange tout ça. Donc on a découvert des êtres un peu supérieurs, peut-être. Je sais pas si c'est eux qui ont créé les artefacts, en tout cas. Mais bon. On a la loge, quoi qu'il arrive. On va déjà déposer l'artefact et parler à tout le monde de ce qu'on a pu voir. Petit bug. Hop là, bien le bonsoir tout le monde. Noël. Comment c'était sur Néon? Et vous? Ça va? D'accord. Je commence à transférer les données. Laissez-moi simplement le temps de les projeter sur la table. Et voilà, nouvel artefact. Oh là là, c'est beau. Venez tous, il faut que vous voyez ça. Oui. Ce vaisseau n'appartient à aucune faction connue. Peut-être une technologie secrète? Aucun amiral de l'Union coloniale n'a approuvé un tel design. Ils nous ont dit qu'ils étaient des Astriens, et ils ont exigé l'artefact. Si nous étions des enfants qui jouaient avec les affaires de leurs parents. Ça vous dit quelque chose? Un groupe dissident qui se ferait appeler ainsi? Pas à ma connaissance dans les systèmes occupés. Peut-être une lointaine colonie humaine qui refait surface? Ou bien la maison Varun? J'en doute fortement. Allons-nous vraiment ignorer l'évidence? Une entité inconnue qui se trouve justement connaître l'existence des artefacts? Eh bien moi je vais le dire. Une forme de vie extraterrestre, ou bien des entités extradimensionnelles, leurs créateurs originaux venus du fin fond de l'espace. Peut-être
même plus. La métaphore des anges de la vengeance venue empêcher l'humanité de s'arroger des savoirs interdits n'est-elle pas pertinente ici? Nous avons beaucoup de théories, mais rien de concret, si ce n'est qu'ils en veulent aux artefacts. Et qu'ils sont prêts à s'en emparer par la force. Alors, ce vaisseau pour se faire conçu par les humains, Barrett n'a pas tort. Ces choses n'ont pas été créées dans un laboratoire des systèmes occupés. Pas plus que ce vaisseau. Et ces entités extradimensionnelles construiraient comme par hasard leur vaisseau rigoureusement comme les nôtres. Permettez-moi d'en douter. Des reflets dans l'obscurité. Vous pouvez passer voir quand vous voulez. Ah, j'ai déjà ajouté l'artefact à la collection, je crois. Ouais. Voilà. C-8500 ready. Pas de compétences. Casque spatial aussi. Wouhou! Intimidation. Voilà. Alors. Constellations, les artefacts. Sacrée expérience de se faire agresser comme ça dans l'espace. Ah bah, ouf. Ces astréens ont le sens de la mise en scène. On y retourne? Iris peut t'aider à trouver les artefacts. Mais j'ai l'impression qu'il est aveugle à nos nouveaux concurrents. Trouve ces artefacts. Vérifie bien tes contre-mesures et tes verrouillages partout où tu vas, d'accord? C'est déjà assez dangereux dehors sans un groupe de tueurs fous. Ok les gars, donc on a de nouveaux endroits avec de nouveaux artefacts à récupérer. Ce que je vous propose, c'est une fin d'épisode pour aujourd'hui. On a fait un petit truc très sympa, on a découvert des extraterrestres peut-être. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, j'ai tout pété le verre quand il tombe, il ne casse pas. À liker, à partager, vous abonner, la petite cloche les gars évidemment. Et je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous tous très très bien. On voit en fait qu'ils sont en train de former deux cercles, un peu comme on a dans les temples, vous voyez. Et on approche de la fin, j'ai l'impression, en fait. Il manque peut-être tac ici. Et tac ici. Et ben voilà, portez-vous tous très très bien.